Yaura na te e mataiti api piti tavo tini e ahurue mai va. Bonne année 2019. Merci pour votre fidélité à votre émission d'apprentissage de la langue thaïsienne. Prav Thaïti, parlez thaïsien. Avant de reprendre le cours normal de nos émissions en compagnie de nos deux amis Jean et Pito, profitons de ce début 2019, petit avotinier Arouen Maïva, pour apprendre les chiffres et les nombres oréotaïti. Tout d'abord, les nombres cardinaux de 0 à 10. Le système décimal ne peut se passer du 0, découvert par les Babyloniens il y a 4000 ans. Le chiffre 0 indique le vide ou l'absence. En adoptant le système décimal, apporté par les missionnaires protestants vers 1800, les Tahitiens ont fait appel au mot Aore, dont le synonyme est Aita, qui indique l'absence ou la non-réalisation de quelque chose. Aore signifie également le vide. L'expression populaire Prau Naruto Itiaore veut bien dire parler dans le vide. Découvrons les 10 premiers chiffres. Répétez après moi et surtout, essayez de les mémoriser au plus tôt. Voilà, c'est parti. 0, Aure. 1, Hoé. 2, Piti. 3, Toru. 4, Maha. 5, Pae. Ono. 6, Hitu. 7, 8, Vaou. 9, Iva, 10, Hoé Ahuru ou bien tout simplement Ahuru. Reprenons nos 10 premiers chiffres en Réo Tahiti avec moi. 0, Aure. 1, Hoé. 2, Piti. 3, Toru. 4, Maha. Pae. 5, 6, Ono. 7, Hitu. 8, Vaou. 9, Iva. Ahuru, Hoé Ahuru ou bien simplement Ahuru. Encore une fois, Aure, Hoé, Piti, Toru, Maha, Pae, Ono, Hitu, Vaou, Iva, Hoé Ahuru ou bien simplement Ahuru. Demain, nous verrons les dizaines et les centaines. Pareil et Yorana, au revoir et portez-vous bien.